Bonjour. Bonjour. On va commencer déjà par des petites questions d'identité. Hein. Tu vas me dire ton nom, ton prénom, ta date de naissance et ta profession. Et nom Moussadi, prénom Ismaël, date de naissance 08-04-63, profession et mécanicien. D'accord. Comment as-tu commencé à jouer à la pétanque? J'ai commencé à la pétanque par rapport à mon père qui était un ancien joueur de la pétanque. Pour toi, la pétanque, c'est un sport ou un loisir? Pour moi, personnellement, c'est un sport. Ton poste préféré? Mon poste préféré, c'est tireur. Ton type de terrain préféré, c'est quoi? Et terrain gravillonné. Quel est ton meilleur souvenir à la pétanque? Mon meilleur souvenir à la pétanque, c'est ma première victoire en tête-à-tête. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est ma défaite toujours en tête-à-tête. Est-ce que tu as un bon perdant? Toujours. Que penses-tu des joueurs et des joueuses de pétanque en général? En général, ils sont tous pas mal dans l'ensemble. Quel est ton joueur préféré à chaque poste? Et mon joueur préféré à chaque poste, pointeur, c'est un ancien et voisin. Et milieu, Christian Fasino. Et là, tireur, c'est Bruno Le Boursico. Quel est ton palmarès en championnat? Et 4 titres de champion, 2 doublettes, un tête-à-tête et un triplette. Avec quel genre de boule tu joues? Je joue avec les boules XJB 680, diamètre 72. S'il y avait une personnalité avec laquelle tu aimerais jouer, ce serait qui? Et ce monsieur Christian Fasino. Quels sont tes partenaires préférés? Mes partenaires préférés, c'était Charles Chereau. Est-ce que tu vois l'importance de se déplacer à l'étranger? Et se déplacer à l'étranger, oui, pour se progresser. On voit d'autres choses, quoi. Sinon, qu'est-ce qui te plaît dans la pétanque? Ce qui me plaît à la pétanque, c'est plutôt la convivialité et les parties à rebondissement. Si tu devais changer quelque chose dans la pétanque, ce serait quoi? Changer peut-être non, mais plutôt la discipline, faudrait bien voir. Que penses-tu de l'inter-océan Indien? L'inter-océan Indien, c'est vraiment magnifique et j'espère que ça continuera toujours. Que penses-tu du niveau de jeu des Malgaches? Les Malgaches ont un jeu très élevé. Il faut vraiment avoir un respect pour eux. Que serait ton sentiment si un jour tu entraînes ta femme, par exemple, et qu'elle te bat un jour en compétition? Mon sentiment, c'est qu'on gagne un doublette mix, pourquoi pas. Pratiques-tu un autre sport? Et je fais un petit peu de vélo, un peu de footing, un peu de tout, quoi, pour s'entretenir. Okay. Est-ce que tu aurais un autre commentaire par rapport à cette interview? Et que la pétanque s'embellisse et que notre club CPSP survit toujours. Merci. Pas de quoi.